Garde même là. Rigo Calo. Pieno, là, là. J'arrive à la bonne place. Ah, putain. Puis on me voit pas monter les escaliers, c'est un petit peu con, ça. C'est là que les ennuis commencent. Je vais pas te mentir, le temps commence à vraiment filer. Je sais pas comment que je vais faire pour vraiment finir ça, mais je vais faire ce que je peux. Aujourd'hui, je voulais te montrer un peu de quoi ça a l'air de travailler dans Godot. Tu vas me voir faire une pièce, une des nombreuses pièces qu'il va avoir à faire. Il y en a pas mal quand même. Fait que donc, exporter de Blender, du layout, exporter les objets, placer les collisions avec le player, puis s'assurer que les interactions avec les caméras fonctionnent. Alors, on y va. J'ai quelques pièces déjà qui ont été faites. Tu sais, le plan que j'avais montré dans la dernière vidéo, j'ai repris déjà quelques pièces et je les ai refaites dans Godot. Donc, par exemple, ici, la chambre, je l'ai isolée. Ici, ça, c'est ma scène, donc mon mesh avec les murs, avec le lit, le petit bureau, le modèle de la porte, ça va changer. Puis aussi, les modèles 3D qui sont là, c'est vraiment juste pour me repérer puis faire une sorte de prévisualisation. Parce que l'étape du pré-rendu, je vais faire ça un peu plus tard quand je vais avoir vraiment fait toutes les pièces. Juste pour que tu puisses voir un petit peu où est-ce qu'on est rendu. Normalement, on commence ici, dans cette pièce-là, dans la chambre. On se réveille, on sort du lit. Puis là, j'étais supposé d'avoir, justement, on était supposé sortir du lit, mais c'est trop compliqué pour rien. Inspecter la fenêtre. Ouais, c'est ça, cool fenêtre. Là maintenant, quand que je reviens dans cet angle-là, la caméra change pour révéler une porte qu'avant, on pouvait pas la voir. Parce que ça avait été un truc dans le design de la patente. Il y a une porte pour sortir ici, mais je voulais pas la montrer parce que je voulais attirer l'attention sur la fenêtre. Mais c'est clair que quand que le joueur se réveille ici, puis que je montre une caméra où on voit la porte, le joueur va vouloir sortir, mais je voulais pas qu'il sorte. C'est donc pour ça que j'ai choisi cet angle de caméra-là. Comme ça, je montre pas la porte, puis j'ai forcé le truc là un peu, là, j'ai mis des collisions, il y a des collisions invisibles qui permettent de ne pas sortir. Puis d'aller chercher la porte. J'ai donc pas le choix d'aller interagir avec la fenêtre. Puis quand l'interaction est faite, là maintenant je peux voir la porte et là je peux sortir. Maintenant quand je sors, j'arrive dans le corridor et ici on a une porte qui nous emmène dans une pièce qui va être barrée. À cette étape-ci normalement du jeu, on va être barré, mais bon, ça fonctionne. La salle de bain fonctionne aussi. Là, je reviens ici. On va pouvoir descendre les escaliers. Et puis là, ben, je suis rendu là. Ça, c'est la pièce cuisine-salon. Fait que c'est quand même un gros morceau. Puis je pense que ça pourrait être pas mal pour ton information. Que je fasse le processus de création d'une pièce dans Godot pour que tu puisses voir un peu... c'est quoi les types d'emmerdes qui arrivent. Donc cette pièce-là, je vais devoir l'exporter. Un aperçu avec les caméras, je vais avoir ça comme angle. Ça, il va avoir quelques angles à faire. J'exporte aussi en GLTF, format open source gratuit qui prend vraiment tout en charge. Fait que là, dans Godot, je devrais importer mes affaires. J'ai dans mes models, on va faire un nouveau folder pour cuisine salon. Cuisine salon. Ici, cuisine salon layout. Cuisine salon layout. Je double-clique dessus. Fait que ça, c'est mon layout. Ça, c'est mes différents objets, mes différents meshes. Pour avoir des collisions, je dois ajouter une node de type static body. Fait que là, c'est vraiment très stimulant. Ici. Yup, un autre, yup, jusqu'à la fin de l'escalier. Dans le jeu, on pourra pas sauter, puis de toute façon, il y a une rambarde ici normalement, fait que c'est correct que je mette une grande collision comme ça pour l'escalier. Puis là, ce petit muret-là, lac. Je vais devoir descendre l'escalier quand même, hein, donc on va en ajouter une. Ouais. Puis il manque un plancher aussi, hein, sinon mon personnage va passer au travers. Fait que ça a l'air d'être... correct. Puis là, je dois me faire un nouveau niveau. J'ai un level par pièce, dans le fond. Quand on traverse une porte, on s'en va dans un autre niveau. Cuisine, salon, point PSN. Puis je vais remplacer les choses à l'intérieur. Donc le player, je vais le garder. Au niveau des modèles, c'est sûr que je change des affaires. Salle de bain, layout, nope. Bath, nope. Fenêtre, nope. Nope, nope, nope. Camera, ça c'est mes changements de caméra. Je vais en avoir un à date, puis j'en ajouterai d'autres, c'est parfait de même. Salle de bain, c'est pas salle de bain en haut, le nom de la scène a son importance ici, j'en parle tout à l'heure là, mais la façon que j'ai fait mon script, j'ai besoin d'avoir le bon nom parce que je vais le chercher plus tard pour savoir dans quelle pièce que je suis. Fait que ça va être cuisine salon TSCN, ça c'est avec mes collisions, fait que je vais prendre ça puis je vais envoyer ça dans cuisine salon. Yeah, ça c'est une porte. Door corridor.
J'ai deux, trois portes dans cuisine-salon. Il y a la porte de la cave, ce que j'ai appelé la pièce vide parce que... Il y a la porte d'entrée qu'on pourra jamais la traverser. Je suis pas sûr vraiment de ce que je dois faire pour ça. Je sais que ma porte de cave, là, je vais mettre la porte déjà au bon endroit pour ça. Quand je commence mon joueur, je dois le mettre au bon endroit. Je vais faire starter mon joueur dans les marches. Puis maintenant, le bon angle de caméra aussi quand j'arrive là-dedans. Puis l'angle de caméra qu'on veut pour commencer, je suis pas sûr. Ça serait-tu ça? Je veux-tu voir? Oui, c'est ça. Je veux voir le salon en premier parce que je veux qu'on interagisse avec la télévision. C'est pour ça que j'ai mis ce plan de caméra là. Puis dans cam, j'ai la caméra. Je peux mettre la vue de preview. Je peux scinder la vue en deux. Je vais mettre preview en haut ici pour contrôler ma caméra. Ça, c'est plate. On n'a pas ça là, dans Unreal. On peut piloter la caméra directement. Si tu sais comment faire ça dans Godot, dis-moi là en commentaire parce que c'est quand même un peu chiant de ne pas pouvoir le faire. Pour l'instant, j'y vais manuellement. Fait que je place la cam. Puis on va dire que ça ressemble à ça. Je vais tester le truc. Voilà, ça a déjà l'air quand même de marcher. Un peu. Puis là, ça manque un peu de mèche. Puis je vais pas te montrer pour tout faire les mèches parce que c'est plate, là. Fait que... Terminé d'être exporté. Ce petit truc drôle-là que je viens de faire, je l'ai fait tout à l'heure. Puis j'enregistrais pas, fait que j'avais un poêle ici. Ensuite, on va mettre un frigo là-dedans. Yup. Fait que laveuse, sécheuse, table, cuisine, chaise et tout. C'est à peu près là dans ma scène. J'imagine que ici, comme ça, c'est correct. Ensuite, le salon, table TV ici. Il y a un piano aussi qui va là. Waouh! Une lampe. Ça sert tellement à rien que je mette ça parce que tout va être remplacé. Mais j'imagine que je me sens mieux. En tout cas, je dors mieux le soir. Le divan, oh. Ça va avoir de la place pour passer. Ça va être tight. En tout cas, porte sortie que je vais pouvoir mettre là. Ça, c'est door cave. Tac. Ça, c'est door pièce vide. C'est parce qu'il n'y aura pas grand chose dedans, à part un passage mystérieux. Ah, ici, il rembarde salon. Et voilà, je poupe. Ça a l'air correct. Ok, fait que... Let's go, on teste ça. Bon, ben les modèles sont là, mais il n'y a pas de collision, fait que... Ok. Faut que je fasse ça. Fait que table, chaise, cuisine, static body. Puis là, collision shape, pour avoir une collision de type quoi? Box. Ça va être une collision pour tout le gréement. Fait que genre de même là. Comme ça. Fait que la collision ici, on va setter ça à la bonne place. Le pied, no la la. Table TV. Puis je vais vous dire quelque chose. Ici, je me ferai pas chier, tiens. Une collision pour les deux. Frigo pour frigoter. Frigo calo. Frigo calo. Il va en avoir une pour la partie là. L'autre collision ici. IPL là. Tiens, on va se rendre juste pour couvrir les petits bancs qui sont là. Ouais, ça c'est beau ça. C'est du beau travail tout le monde. Ok, fait que là, ce qu'on voit aussi là, les wires, c'est une prévis des collisions. Puis, ok, je peux passer ici. Je peux aller là, papapi, papapa. Ok, puis là, ben, il n'y a pas de caméra. Cam cuisine, que là, la caméra, elle sera pas current parce que c'est pas là que je veux entrer en premier. Ok, ben, je pense que ça va être correct pour celle-là. Ça, c'est ma deuxième. Cam cuisine. À chaque nouvelle camera que je mets, là, il faut maintenant setter la collision correctement pour que ça switch au bon moment. Le périmètre, là, la boîte en bleu, c'est quand que j'entre à l'intérieur de ça, la caméra va changer. Puis je pense que ça devrait arriver quand j'entre dans cette zone. Pour tester... Ah! Là, il faut que je puisse correctement revenir sur mon ancienne. Fait qu'elle aussi, il faut quand même que j'ajuste sa collision. Petite zone ici pour ça. Cool, si je reviens ici. Bon, ça marche! Fait que la prochaine, c'est quand qu'on arrive dans la cuisine là. Fait que, j'imagine que c'est beau. Ok, cam cuisine 3, disons. Ici, là, ça ressemble quand même à ça. Ouais. 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 Ok, c'est beau. Je vais faire cet angle-là quand on arrive proche de la porte. Il y a une prise sur le salon aussi. Parfait, j'arrive là. Il manque ici. Ça, c'est la dernière affaire. À peu près comme ça ici. Alors, salon. Cool. Je m'en vais vers la cave. Ça fait ça ici. Ça marche. Essentiellement, c'est cool. Là, c'est pas terminé. L'autre étape, là, ensuite, c'est de déterminer les spawn points. Puis ce que je veux dire par là, c'est que quand on arrive d'en haut, il faut qu'on starte le level ici.
Parce que là, ça a été une grosse emmerde là, que je m'étais pas rendu compte. Par exemple, dans la chambre, on commence en se levant, donc devant le lit. Mais si je sors de la chambre et que je reviens plus tard, je vais commencer devant le lit parce que c'était la position par défaut. Donc, une fois qu'on revient dans la chambre, il fallait que je place le joueur ici. Et ça a été quand même une pas pire emmerde à gérer. En tout cas, je t'en reparle une autre fois. Quand je descends du corridor, j'ai ici un type de scène qui me permet de faire le changement. Fait que change level area, cuisine, salon. Ça ici, ça va s'appeler escalier. La zone d'overlap, je vais la mettre genre en haut ici. Fait qu'il va falloir que je traverse ça. Il va falloir que je monte les escaliers puis on me voit pas monter les escaliers. C'est un petit peu con ça. Le niveau va être là. Ma boîte est là. Escalier. Puis j'ai mis ici level to open. Dans le script, j'exporte une variable là, level to open. Que ça, je peux déterminer le chemin à prendre directement dans l'éditeur ici. Fait que je peux littéralement prendre le chemin d'une scène, d'un de mes niveaux dans mes levels. Puis ici, ce que je veux, c'est la scène du corridor. Corridor scene. Ouais, voilà, c'est cool. Fait que là, si je remonte les escaliers. Voilà, on est dans le corridor en haut. Mais là, tu vois, on n'est pas spawné à la bonne place. Là, il faut que je mette un autre spawn point pour quand on arrive d'en bas. C'est là que les emmerdes commencent. Donc ici, ça c'est dans la pièce corridor. Je vais mettre un point de spawn en bas. En haut des escaliers, c'est là que je vais apparaître quand que je vais monter. Je vais en mettre un autre que je vais dupliquer. Il va être là. OK, puis là, script. J'ai ici un script qui s'appelle Game State. Puis ça a été une autre emmerde majeure. Ça a été de trouver comment faire passer des variables d'un level à l'autre. Parce que je switch de niveau à chaque fois. Puis quand on switch, les valeurs sont pas gardées, sont tout le temps réinitialisées. Fait que là, il fallait trouver un moyen de rendre des valeurs persistantes pour garder un petit peu un track du progrès du jeu, tu sais, de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Change level area. Donc ça, le script, quand que j'entre dans le volume, si c'est le joueur, ben là, game state get current room ici. Fait que là, je vais aller chercher la pièce que je suis en ce moment, juste avant de la quitter. Puis dans le joueur, dans le script du joueur, dans ready, ça c'est du script qui roule juste avant de jouer. C'est pour préparer un petit peu le terrain. J'ai current room get tree current scene. Ici, ça va aller chercher la nouvelle pièce que je viens d'entrer pour faire ma comparaison. Et dans ma variable last room, ça c'est la dernière pièce que j'étais avant, j'ai game state current room. Puis ça, c'est vraiment pas beau là, mais bon, à date, fonctionne comme ça parce que ça fonctionne. Fait que je fais juste des conditions. Fait que copier-coller ça de même, pièce statue. Fait que si la dernière pièce était cuisine, salon. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le bon nom ici parce qu'il va aller chercher ça pour savoir où est-ce qu'on est. Variable corridor spawn égale current room get node spawn point pièce statue. Non, ben en fait là, le nouveau spawn pour ça, il s'appelle spawn point escalier. Fait que je vais aller copier. Ici, je vais les coller. On va essayer ça. On remonte. Hey! Ça marche! Je suis pas super bien placé là, dans la caméra. Je prends trop de place, mais ça marche essentiellement. Puis, je redescends. La chambre? Ah, c'est pas le bon. Ah, ok, c'est parti, c'est ça. Il faut le level cuisine, salon. Clac. Fait que si je monte, j'arrive à la bonne place. Ah, putain. Il y a une collision qui est là, qu'il faut qu'il soit à off. En tout cas, je gère ça une autre fois. Puis je redescends. Et mes rechanges. Mais c'est, ça marche. Essentiellement, ça marche. Puis là, il va falloir que je fasse ça aussi pour cette... OK. Il va falloir que je fasse ça pour cette pièce-là aussi éventuellement. Puis pour la cave aussi. Mais ça, je l'enregistrerai pas parce que c'est juste plate. Là. Puis je suis dû pour un break, ça fait un bout que je travaille. J'imagine qu'on va se revoir une autre fois. Puis là, on est à la mi-octobre, il reste plus beaucoup de temps, mais ça va quand même bien, mais il reste plus beaucoup de temps. Puis là, pour la prochaine vidéo, j'espère avoir une itération de l'apparition parce que il y a plein d'affaires à faire, puis c'est pas encore fait. Mais souhaite-moi bonne chance, j'ai besoin de toi. Abonne-toi, puis on se revoit bientôt.